Métropolis. Bonjour Yannick. Bonjour David. Alors, on est là sur à la librairie Rédique ici à Saint-Quentin. Mm-hmm. Alors vous êtes écrivain, mais de contes et de romans un peu fantaisie, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous pouvez un petit peu nous expliquer de ce que vous écrivez, ce que vous faites? Oui, alors moi j'écris des ouvrages de l'imaginaire, donc des romans de fantaisie, de médiéval fantastique, un peu de fiction historique, des contes lyriques et merveilleux, comme ceux qui sont là, des contes régionaux, notamment en thématique de Noël, et du légendaire régional. En reparlant justement, j'ai vu qu'il y avait un conte de Noël, mais sur les Axonais, c'est ça, hein? Alors c'est, oui, j'ai écrit trois contes de Noël qui se passent dans l'Aisne, mm-hmm. et respectivement sur les villes de Soissons, de Lens et de Coucy-le-Château. Ouais. Voilà. Déjà, on peut déjà reciter qu'en fait, ce sont des contes déjà à partir de 8 ans, hein, oui, c'est ça. Tout à fait. Et justement, les contes que vous écrivez, c'est sur, je sais pas, sur la mythologie grecque, ou vous allez rechercher sur un thème bien précis, ou c'est vraiment diversifié? Alors, l'idée de base, c'est d'exploiter des créatures légendaires de, ouais, différentes cultures et de différentes, on va dire, civilisations. De reprendre les créatures dans leur contexte d'origine, de transposer dans un univers imaginaire de type fantasy et d'ajouter un contenu lyrique avec notamment des sonnets. Donc il y a une dimension culturelle, imaginaire et lyrique pour chacun d'eux. Non, rien à, voilà, voir par exemple avec la mythologie grecque ou des choses comme ça. Il y a des liens quand même, puisqu'on, mmh, retrouve, par exemple, pour la sirène grecque, on retrouve les créatures telles qu'elles ont été imaginées dans ces mythologies-là. Mmh. Mais je reprends les grandes caractéristiques. Par exemple, les sirènes grecques, qui sont des créatures gourmandes, voraces. Mmh. On retrouve le satyre grec, qui est une créature libidineuse. Alors, j'ai occulté cet aspect-là pour les jeunes, mais on retrouve les autres aspects d'un satyre. Donc oui, on retrouve les ingrédients quand même de base, entre guillemets. Donc parmi les contes, il y a 9 livres, c'est ça? Alors c'est une série de 27 et les 9 premiers sont parus. D'accord. Ah donc il y a encore une suite? Il y en a encore 18, après. Voilà, il y en a 18 autres qui suivent. D'accord, on travaille quand même. Ah oui, ça. Alors, à part ça, il y a aussi d'autres livres que vous créez, donc j'ai vu que vous avez des romans. Oui. Pouvez-vous un petit peu nous détailler un petit peu les romans que vous faites? Alors pour l'instant, j'ai publié 3 romans de fantasy, qui, mm-hmm, sont les 3 premiers volets d'une pentalogie, donc, mm-hmm, une saga en 5 livres. Mm-hmm. C'est de la fantasy orientée aventure et merveilleux, donc c'est un monde complètement imaginaire, avec de la magie, des créatures féeriques, des créatures cauchemardesques, mm-hmm, des systèmes de portails, ils vont beaucoup voyager. On est dans un monde imaginaire, mais il y a quand même pas mal de liens avec notre monde à nous, notamment au niveau de la critique, de la condition humaine, des relations avec le pouvoir, ce genre de choses. Mmh. Et le fil conducteur de la saga, c'est essentiellement la peur de la perte de l'être cher. Donc on suit 3 protagonistes, dont un principal, qui est un guerrier qui recherche sa femme et son fils. Et donc il y a une réflexion autour de l'absence ou autour de la recherche. Et il y a une grande aventure avec des choses qui se mettent en place dès le début, qui vont lier ces 3 personnages qui ne se connaissent pas au début. Donc une jeune femme qui maîtrise une forme de magie qui dépend des signes du zodiaque, une petite fée que la grande majorité des gens ne peuvent ni voir ni entendre, et ce guerrier qui a des problèmes psychologiques parce qu'il a passé beaucoup de temps auprès de créatures démoniaques et ça l'a un peu perturbé. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous, parce que je sais qu'il y a des écrivains qui s'auto-produit. Oui. Est-ce que vous autoproduisez? Oui, vous avez un... c'est de l'auto-publication. C'est de l'auto-publication. Voilà. J'ai 2 ouvrages qui ont été en maison d'édition, donc je suis un petit peu hybride. Mm-hmm. Mais voilà, c'est important pour moi de travailler entre guillemets assez librement, de conserver mes droits, de choisir les partenaires avec lesquels je travaille, mm-hmm, et d'avoir des délais de publication assez courts. Donc voilà, je me suis lancé
volontairement en autopublication. Alors, c'est du travail aussi supplémentaire, parce que le fait que vous autoproduisez, c'est aussi du travail justement à la production de vos livres. Oui, bah, la production, la diffusion, Vous dormez quand? Bah, la nuit, quand mes enfants me le permettent. Alors, on va aussi rappeler que j'ai vu que vous avez aussi d'autres passions. J'ai vu que vous avez une passion de tir à l'arc, par exemple. Oui. Vous avez 5 enfants, je crois. Oui, j'ai 5 enfants. Je fais aussi partie d'une association de jeux de société moderne. Je fais partie de la société historique de Haute-Picardie. J'assiste à pas mal de conférences qui me donnent du matériau assez souvent pour mes ouvrages. Bon, après ces 18 livres, qui est déjà beaucoup, hein, mais est-ce que vous avez encore l'intention d'écrire d'autres romans, d'autres types de livres ou... Oui, plusieurs romans qui sont en chantier. Ils sont construits, ils sont prêts à être écrits. Je commencerai l'écriture quand j'aurai terminé ma saga. Donc il y a un roman de fantasy amérindienne, avec du chamanisme et puis de la magie inspirée des esprits des Amérindiens, voilà, pour faire simple. J'ai un roman de fiction historique et mélangé avec de médiéval fantastique qui va se passer dans l'Aisne, notamment sur les abbayes de Lompon, Vauclair et Saint-Jean-des-Vignes, avec le parcours d'un moine qui va être confronté à des situations qui sortent de l'ordinaire, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc ça va être un mélange de fantastique, d'enquête et de projection quand même d'imaginaire. Mais ça va se passer sur le territoire axonais et notamment sur cette rose abbaye. Alors on va citer, vous avez une page Facebook. Oui. Qui s'appelle bah, Yannick Arrière Fradin. Simplement. Mon nom de plume. Et vous avez un site internet aussi, donc vous pouvez rappeler le site également. Alors bah, c'est yannickarfradin.com. Voilà, j'ai aussi une page Twitter et un compte Instagram. Et vous avez une boutique en ligne? J'ai une boutique en ligne, oui. On peut commander mes ouvrages dédicacés, notamment les contes en petit format qui, eux, ne sont pas référencés en librairie. J'ai fait déjà créer Ludique 2 fois pour animer des tables avec mon association de jeux de société. D'accord. Donc voilà, l'enfer des jeux. L'enfer des jeux. Avec un jeu de mots, l'enfer des jeux. Ah oui, donc ça me fait penser aussi à chez nous, on a l'arène des jeux, donc tout avec fait. Un beau jeu de mots aussi. écoutez, encore merci Yannick d'avoir répondu au micro de Métropolis, et puis nous on vous souhaite bonne continuation pour vos livres. Ben, merci Yannick.